Allez, salut à tous, bienvenue. On retourne sur Gravewood Heights, donc un jeu de cache-cache avec un professeur un peu diabolique. On avait quand même pas mal avancé, j'avais déjà fait une première partie sur YouTube. Intéressant, jeu intéressant, bon gameplay, plutôt immersif. Voilà, rien à redire sur la chose. Graphiquement, on est sur un jeu qui est plutôt correct. Hop. Allez. Ah, ça commence bien. Ça commence plutôt pas mal. Il passe quand même par la porte, c'est ça qui est rigolo. C'est que la porte est pas tombée, quoi. Hyde has the key to the door. You're going to have to steal it from him. Putain, il a la clé sur lui. Faut que je lui prenne. Oh, je suis un ninja. Oh, putain, en plus, c'est retourné juste après. Je suis un putain de ninja, quoi. La classe. Putain, je me suis chié dessus, quoi. Ça va, il peut pas m'attraper là. Ah, je me suis dit, il va pas me voir dans le coin. Bah, si, quoi. Je vais le faire venir ici. Merde, je peux pas redescendre là. Alors je vois pas du tout à quoi elle me sert cette clé.
Putain, ce que j'esquive à chaque fois, quoi. Voilà, super. Hop. Placer correctement tous les éléments du casse-tête. It looks like we need to find the rest of the items and place them on the pedestals. I don't know how I know that. Sixth sense, I guess. Putain. Il m'a fait serrer, quoi. Super dur. Alors. Donc là, normalement, toutes les pièces ont bougé et les objets aussi. Ah oui, effectivement, ça a changé. Ça a carrément changé. Alors. Je conserve mes clés, ça c'est bien. Oh, je peux pas me cacher ici. Hop. Ah, sympa ça. Putain, ça sent l'énigme à la con. Putain, mais... Ah, il est chiant. Putain, c'est gavant. On recommence. Ah, ça, par contre, ça, c'est utile, ça. C'est super utile. S'il se tourne. Oh là, putain, je joue tellement pas safe, quoi. C'est pas easy de passer. Hein. Ah, j'ai fait le con là. J'ai fait carrément le con.
va revenir. Ah, c'est une blague. Putain, c'est une blague, je suis considéré comme attrapé. Je peux plus bouger. Ah oh, non, j'hallucine quoi. Oh, putain. Je pouvais plus bouger, je pouvais plus rien faire. Sympatoche le petit passage secret là. Remember when we used to hide in here to skip class? Logan would play guitar and he was so bad at it. I miss those days. Tous les enfants qui ont disparu, ça. Ok, donc là, il y a tout qui est fermé. Voilà, note de musique. Hop, ça c'est fait. Oh, putain, il y a des canards partout. Pas que je marche dessus. Oh la galère. None of the students are allowed near the piano. I've always wanted to play Moonlight Sonata on it. Comment je vais faire pour atteindre ça, moi?
just came out of the wall. Ça, ça peut être pas mal. Yes. Ça, c'est fait. Coffre à la salle de musique. J'en ai déjà un. Tu sonnes ma gueule ou... Alors, il y a peut-être plusieurs moyens d'avoir les mêmes objets. Je sais pas. C'est bizarre. Putain. Histoire. Le stress. Oh non, il est là. Cette blague quoi, mais putain, comment je fais? Et il faut que je casse la, faut que je casse la fenêtre. Putain, en plus j'ai rien pour me cacher. Je vais essayer d'ouvrir ça. Et faire ça. Ça c'est pas mal. Super. Those things have probably been here since the Civil War.
Raté. Ah, le con, putain. Ah, je sens que ça va être dur là. Ah tiens, je l'avais pas vu ça. Petit secret. It looks like the fort was abandoned during the Civil War. So much bloodshed. I wonder how many people have died on these grounds. Actually, don't answer that. I don't want to know. Ah, c'est raté. De l'autre côté. Yes, ça c'est fait. I remember Hyde saying the building was turned into a research center during World War II. I guess we did learn something from him after all. Oh non! Ah, c'est une blague, quoi. Putain, c'est ultra punitif à chaque fois de tout refaire comme ça, là. Encore, tu gardes les clés, mais... Pff, oh là là. Après, ce qui serait vraiment punitif, c'est justement de se faire enlever les clés et que tout change vraiment, quoi. Ah, ça va, je sais où me rendre. Ah putain, par contre, ce qui est chiant, c'est que il a remis la bordel de merde. Attends, il y a quoi en haut? J'ai bien fait de grimper. Oh putain, ça c'est crasseux ça. Ah mais... Putain, m'a fait peur. Ça va, ça passe. Alors, tac. Yes. Et donc là, déjà, il pourra pas venir.
Un truc d'Halloween, je sais pas. Bah, je suis con. J'allais dire, je sais pas comment, comment on y va, mais. We had our own secret party here during Halloween. Madison told us that ghost story about the school. Didn't sound so scary back then. Et casse-couille, hein. Putain, j'ai eu peur, il s'est passé quoi? Ça c'est bien. Putain, j'ai bien fait de me casser quoi. Ah, ça va. Voilà, alors il m'en reste un, c'est dans la salle d'or, et la salle d'or elle est peut-être par là-bas, il me semble. La vision de la réalité est subjective, ok, super. What? Ok, alors. Ah putain, les trucs comme ça. Ok. Putain, ça va être chaud là. Oula, 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 oula. Ok, je peux pas monter sur les murs. Huh.
Oh, ça va être méga chaud, je sens. Putain, je pite rien, quoi. Ok, si je fais ça... Ah. J'ai réussi. Non, j'ai pas réussi. Alors. Hop. Comment je fais? Don't forget that you need to find the three items and then put them on the correct pedestal. Ok, c'est bon, j'ai compris. Ah mais... Bordel. Va falloir grimper jusqu'à là-haut. Ok, ça passe. Donc ça, je sens que ça va être beaucoup plus dur. Oh putain, la haine. Ok, ça passe. Ça passe aussi. Et ça passe. Ah, mes yeux. Mes yeux. Super. Yes. Je sais pas pourquoi je sens qu'il arrive. Et il est juste là, ouais. Juste à l'entrée, quoi. Oula. Hurry up, you're almost there. Oh putain, ce speedrun du jeu là. Oh, ce speedrun sans le vouloir. C'était fantastique. That's it, the tower. Our friends must be nearby. Ah, on doit être quasiment ouais, tout en haut. Tout en haut du collège ou du lycée. C'est strange. J'ai toujours pensé que la tower était un pantin. Je suis surprise que quelque chose ici fonctionne. Mais je m'attendais pas à un jeu à histoire solo en fait. Je m'attendais vraiment à un truc. Un seul collège, enfin du moins le seul lycée, et qu'on se balade à l'intérieur et. Et que les parties se répètent un peu comme ça, avec les salles qui changent, les objets qui changent. Et à chaque fois, quasiment le même objectif. Mais au final, je m'aperçois qu'il y a, vraiment un scénario qui évolue au fur et à mesure qu'on avance dans les levels, en fait. Je m'attendais pas trop à ça, quoi. Ça ressemble à Halo Nightborne, en fait. C'est texto la même chose. Vraiment, quoi. Ok, donc j'ouvre comment la porte ?
Il manque un levier. C'est chouette. Est-ce qu'il serait pas tout en bas dans les débris? Non, que dalle. Pourquoi il va pas grimper? Ah, là. À moi. Super. Mais j'en viens de là. Peut-être que je grimpe par là, non? Je sais pas. Non, c'est pas bon. Y a pas. Ah voilà, trouver un moyen de casser le mécanisme et éviter la chute du contrepoids. Ouais, ok. Okay, ça servit à rien. C'est marqué en gros, il y a marqué loop. Donc si tu continues... Comment je peux casser le mécanisme? Ah. Donc là le bois se casse, ok super. Mais j'en viens de là. Putain. Chier quoi. J'étais trop fier de moi quoi. Pas le casser ça. Somehow.
Ok. Ok, vite. Merde. Putain, j'ai eu peur, quoi. Ah, j'ai serré. Ah, c'était pas mal fait. J'ai compris... un peu trop tard, malheureusement, quoi. Dans la vraie vie, je serais mort. Ah, bravo. Bravo, ça. Hop. Et hop. Attendre que ça se recharge. Allez. Là, je vais bien le placer correctement. C'est pas mal. Là, boum. Alors, une. Tac. Et là, hop. Putain. Putain, ça fait un bruit. Trouver le chemin qui mène au sommet de la tour. Ok. Ah, on est revenu au même endroit. That's it. The guys must be here somewhere. Ah. Pourquoi je peux pas passer? Il manque une vanne, mais la vanne... Clac. Hop. Wow. What? I don't understand. Et ça part un peu en vrille à l'histoire là. Whatever it was, it
it's too late to go back. On dirait Mélenchon, plus maigre. N'essaye pas de fuir le communisme. Alors, this is the end of level 1, mais il y a encore deux autres levels à venir. J'ai même pas eu le temps de lire ce qu'il y avait écrit, quoi. Non mais attends, c'est une blague. J'ai payé pour ça. Non, tu te fous de ma gueule, là. Tu te fous de ma gueule, quoi. Attends, c'est... Ok, génial. Non, mais c'est une blague, quoi. Bon, je vais mettre en scène de chat. Mais là, franchement, j'en reviens pas, quoi. J'en reviens pas. En fait, le jeu se base sur trois levels comme ça. Donc, c'est une aventure courte. Mais c'est pas du tout développé comme ça, en fait, quoi. Moi, je pensais pas qu'il était question d'une histoire solo, en fait. Je pensais vraiment que c'était un jeu cache-cache comme les jeux actuels, en fait. Où on peut répéter plusieurs parties d'affilée. Mais là je suis surpris, quoi. Je suis très très surpris, mais en mal. En très très mal. Alors, je suis en train de regarder l'Early Access Map. Si j'arrive à la voir en plus grand, malheureusement. Alors, Early Access Release. Alors, Level 1. Donc, sur les 5 segments différents. First Player Ability. Monsieur Hyde, donc, qui a une forme humaine. Et Free, j'arrive pas à lire Troops. Alors, après, Bug Fix Update. Ok. Secret Room Mini Puzzle, Monsieur Hyde, New Trap, Level 2 Release, Puzzle Randomisation Update, New Puzzle et Secret, Character Leveling. Update Room Layout Generator for Level 2. Puzzle randomisation update. Ouais, je suis pas. Enfin, c'est terrible, je suis en train de me dire que j'ai payé 15 euros pour une démo, quoi. J'ai payé vraiment 15 euros pour une démo qui m'a même pas duré, même pas 3 heures, quoi. Enfin, c'est... Early Access On, le 20 octobre 2021. Donc, effectivement, le jeu vient de sortir, on est le 25. Mais il y a même pas marqué la date pour les autres segments, donc ça va sûrement arriver pas tout de suite, quoi. Donc bon, par contre, c'est bien, le mec il a vraiment détaillé tout ce qu'il va faire. Mais euh...
Ouais, c'est ça. C'est le donc en fait on a fait même pas 2 heures de gameplay en fait quoi sur le level 1. Ouais, après, en fait, ça va rajouter du temps de jeu et... franchement, je sais pas quoi en penser du jeu, je suis un peu déçu. Sincèrement, je m'attendais à autre chose. C'est dommage parce que le concept est sympa avec le professeur et tout, là, qui te poursuit, mais... je m'attendais vraiment à autre chose. Bref, on verra plus tard ce qui sort et... j'aime pas toutes ces early access et compagnie quoi. Je pensais franchement que le jeu irait quand même un peu plus loin quoi, parce que là même pas 2 heures de jeu pour 15 € quoi. Enfin ça me fait chier mais vraiment quoi, ça me donne pas envie. Ça me donne pas envie, surtout que le jeu final risque de sortir en fait l'année prochaine, voire peut-être dans 2 ans, dans sa finalité. Et dans 2 ans en fait c'est un truc que j'aurais oublié quoi, que j'aurais mis carrément de côté. Et si c'est juste pour y revenir de temps en temps quand il y a une mise à jour, enfin, je sais pas quoi, c'est un peu dommage quoi. Bon, bref, allez, je vais m'arrêter là, je vais aller faire autre chose. Ciao, salut à tous.